Salut tout le monde, c'est Jonathan Wizard. Hey, ça fait un bon moment, j'ai pas fait de vidéo sur mes petits voyages en caravane ou en roulotte ou en spectacle à partir de cette page-là de Fantaisistes sur la route. Je suis à l'intérieur de ma mini-roulotte ProLight 8 et là, je devrais changer la pile de mon détecteur. Fait que pour la vidéo, je vais enlever la pile et d'en remettre une neuve tout à l'heure. Pourquoi cette vidéo? Bon, je suis vraiment à dilemme dans ma tête à savoir ce que je vais faire avec ma roulotte. Vous avez vu le début de la vidéo, je l'ai filmé et je l'ai entreposé à l'extérieur, dehors de chez moi, en arrière de ma maison, de mon appartement où ce que je vis. Et vous avez remarqué que ma roulotte est coincée dans la neige. Wow, c'est le fun, hein? Fait que avant ça, c'était idéal parce que j'avais une maison où je pouvais mettre la roulotte dans mon garage et si j'avais besoin de la prendre, même dans des périodes froides et de neige, pour partir en spectacle, je pouvais tout simplement la piner, la sortir et la transporter immédiatement avec moi. Fait que là, je suis vraiment à dilemme de savoir ce que je vais faire. Et deuxième chose, va falloir que je change de voiture. Ma belle coccinelle est fatiguée. C'est un modèle 1998, puis elle m'a fait des signes dernièrement en automne, comme quoi il y avait certaines pièces à changer. J'ai eu de la difficulté à trouver certaines pièces pour réarranger une roue dans ma voiture, tout le kit, et c'était très difficile à trouver la pièce. Elle se faisait plus. Fallait la trouver sur une autre vieille New Beetle dans une cour à scrap. Ah, ça a été un chiard total. Alors là, je suis vraiment en dilemme à savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vends ma petite mini ProLight que je ne peux même pas utiliser pendant tout le temps de l'hiver parce que, comme je vous l'ai dit, elle est entreposée en arrière de chez moi, dans la maison, elle est prise dans la neige. Je ne peux jamais l'utiliser. C'est vraiment pas adéquat où ce que je vis présentement pour pouvoir la prendre comme je veux. Ou j'ai eu l'idée, parce que je ne vis pas à temps plein dans ma roulotte, de peut-être m'acheter une tente de toit. Et là, tu vas me dire, « Ouais, mais le confort est vraiment pas pareil. » Oui, je le sais, j'ai regardé plein de vidéos, j'en doute même pas. Mais la tente de toit serait toujours installée sur ma prochaine voiture et je pense peut-être m'acheter une Kia Soul et d'acheter une tente de toit que j'installerais à temps plein. Mais je peux pas vraiment l'utiliser en hiver, ça je le sais plus pour autant, mais au moins elle serait là prête toujours si j'en ai besoin. Mais je suis vraiment en train de penser sérieusement à ce que je vais faire parce que présentement j'ai mis ma roulotte à vendre sur Internet, sur Marketplace Facebook. Et j'espère vendre ma petite roulotte de toute façon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Guidez-moi, aidez-moi. Je suis vraiment en dilemme. Je dois changer de voiture. Est-ce que je change aussi ma roulotte, ma mini-roulotte? Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, quand tu es indécis, parce que tu sais que tu apprécies quand même cette petite roulotte, mais que tu peux pas l'utiliser parce qu'elle est prise dans le banc de neige. Là, présentement, on est en décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois. Où je pourrais même pas l'utiliser, la prendre nullement. Ça, c'est vraiment désagréable. Fait que je sais pas quoi faire. Je suis en réflexion intense à savoir ce que je vais faire avec ma roulotte. Si je m'en départis, je la vends. Pas parce que je l'aime pas, pas parce qu'elle est brisée. Pas... Non, elle va super bien, elle est parfaite. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Je le sais pas. Je dois changer de voiture, je dois changer de concept. Et je ne vis pas à temps plein, moi, dans ma mini roulotte. Mais j'en ai besoin à l'occasion, alors je me dis peut-être une tente de toit. Une tente de toit, ça ressemble à ça, là. Mais ça aurait l'air pratique quand même, parce que j'ai des spectacles. Moi, j'utilise ça seulement quand j'ai des spectacles à l'extérieur, si je vais dans des campings. Mais il faut que ça soit rapide, moi, j'aime pas le niaisage. Et les tentes de toit que j'ai vues, ça peut s'installer en moins de 5 minutes. Mais le confort serait... Est-tu équivalent à ce que j'ai présentement? C'est sûr que non. Mais là... C'est une vidéo où je me prends la tête entre les deux mains et je me demande quoi faire. Ça fait quelques années que je possède cette petite ProLight 8 et j'en suis très, très satisfait. Mais malheureusement, elle est prise dans la neige. Et je peux pas l'utiliser quand j'ai le goût. Alors, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. Et que j'en ai pas fait beaucoup depuis l'été passé parce que j'ai pas fait beaucoup de spectacles où j'en ai eu vraiment, vraiment besoin de ma ProLight 8 ou que je devais partir dans des campings parce que j'ai eu moins de spectacles en camping l'été passé. À comparer de l'autre année d'avant où j'étais souvent dans des campings, vous voyez pas toutes les sorties que je fais. J'en fais des vidéos à l'occasion. Alors là, c'est ça. Je vous fais une vidéo pour
pour vous dire tout simplement que je suis en interrogation, en décision de ce que je vais faire de ma Mini Pro Lite Suite. Voir si je m'en départis, je la vends ou je m'achète une tente de toit pour ma Kia Soul que je veux m'acheter et rendre ça plus accessible rapidement. Parce que moi, j'ai besoin d'être rapide et pas trop de manipulation. Alors, voici une petite vidéo où je suis rendu dans mes petites aventures dont je vous filme pas souvent. Alors, c'est une aventure mentale présentement en décision de ce que je vais faire. Fait que merci toujours de me suivre dans mes vidéos. Je fais beaucoup de spectacles. De plus, je suis à Québec, ça va super bien. J'ai vraiment beaucoup de spectacles. Mais je ne peux pas utiliser ma Pro Lite à suite parce qu'elle est pognée dans la neige. Alors, merci de me suivre. Peut-être la prochaine vidéo, je vais avoir ma nouvelle voiture, une tente de toit. On ne sait pas ce que je vais faire. Je suis encore en décision. Mais pour l'instant, je vous souhaite des très belles fêtes et un joyeux Noël qui s'en vient et une bonne année. Jonathan Wizard. Salut!